Bonsoir tout le monde. Alors, un tirage questions-réponses maintenant tout de suite qui m'a été demandé. Je vais essayer de faire un live ce soir. On verra. Je vais faire le maximum. À quelle heure, je n'en sais rien. Donc, restez attentifs. J'ai encore pas mal de choses à faire. Donc, je ne sais pas à quelle heure. Peut-être à la fraîche, hein, à la fraîche, parce que là, il fait pas encore frais ici. Alors, nous avons ici un tirage questions-réponses pour Paul et Virginie. Non, mais magnifique. Alors, nous avons une douce colombe du prénom de Virginie. Pardonnez-moi, j'en bafouille. Voilà, qui s'inquiète hein, par rapport à un rendez-vous qui aura lieu dans à peu près une quinzaine de jours après les vacances. Donc, on va regarder ça. Pour avoir ce tirage-là en vidéo sur la chaîne, comment est-ce qu'il faut faire instant pub? Vous avez mon lien PayPal sous la vidéo. Vous m'envoyez 15 euros. Dans l'espace commentaire PayPal, vous me posez votre question précisément, s'il vous plaît. Et je vous répondrai évidemment le jour même ou le lendemain ou plus tard. N'oubliez pas de choisir un pseudo comme l'a fait Virginie. Et je ferai le maximum pour vous donner des précisions, des détails, pour vous faire un tirage digne de ce nom. Allez, on y va tout de suite pour notre chère Virginie. On adore. On adore. Virginie qui est poursuivie par son taré d'ex. Alors, ce n'est pas moi qui dis ça, hein. C'est ce qui était écrit dans le message qui accompagnait la question. Donc, une douce colombe. Belle et innocente, qui ressemble à une poupée, j'imagine, poursuivie par un taré d'ex et qui flippe un peu par rapport au rendez-vous avec Paul, donc un nouveau venu, peut-être un nouveau venu dans la vie de Virginie. Donc, tu me donnes une réponse la plus claire possible pour Virginie. Comment va se dérouler le rencard avec Paul? Comment va se dérouler le rencard avec Paul? Est-ce que le rendez-vous prévu dans quelques jours, à peu près 15 jours après les vacances, avec Paul va se passer pour Virginie, qui est malheureusement poursuivie par son taré d'ex? Allez, donne-moi un message clair et précis. Rendez-vous, Paul et Virginie. Est-ce que le rendez-vous va bien se passer? Alors évidemment, j'ai reçu la question hier. Il m'était impossible, Virginie, de vous répondre plus tôt. Mais de suite, j'ai écouté la chanson de Céline Dion, Paul et Virginie. Et là, la lumière fut un vol de douce colombe devant moi qui est passé et voilà, qui est passé dans ma tête, évidemment, comme un flash. Tiens, nous avons Virginie, une des deux protagoniste de ce rendez-vous. La tour. On va essayer de faire ça bien. L'ancre. Le mont. L'enfant, le livre. Alors évidemment, Virginie, après avoir visionné ce tirage,
Je compte sur vous puisque je mettrai mon numéro de téléphone, si vous ne l'avez pas déjà, on ne sait jamais, pour me faire un retour, hein, pour me faire un petit clin d'œil. Envoyez-moi un SMS. Je vais me coucher tard, donc n'hésitez pas. Enfant, livre, maison, croix et lys. Bon. Alors, bon, déjà, j'ai pas Paul, j'ai pas le jardin, donc c'est pas le top. Il y a quand même ici pas mal de blocages. Cette tour, ce mont, cette croix et le livre des secrets. Bon, je veux bien croire que le rendez-vous, il va être secret. Virginie, si vous êtes poursuivie effectivement par votre taré d'ex. Donc. Isolement, accroche, blocage, retard. Il y a quelque chose de beau là-dedans, quelque chose de beau que vous regardez, mais malheureusement, Virginie, vous regardez le passé, des promesses. Peut-être des promesses non tenues, peut-être des actes manqués, de la déception. Alors évidemment, Virginie, vous avez sûrement envie de vous retourner pour regarder la carte de l'enfant. Trois petits points. Mais ici, pour moi, avec ce type de questions, on peut nous parler de quelqu'un de fragile, de quelqu'un d'assez enfantin, de quelqu'un avec qui vous auriez ce rendez-vous qui pourrait peut-être être honoré, j'ai bien dit peut-être pour l'instant, mais avec quelqu'un de fébrile, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui... Et mi-figue, mi-raisin, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Vous voyez, ici j'ai vraiment un tableau, c'est blanc, c'est noir, c'est blanc, c'est noir, c'est blanc, c'est noir. C'est noir, c'est blanc, c'est noir. Quelqu'un qui a du mal à se dévoiler, quelqu'un qui a envie de se dépasser, effectivement, par rapport à ce rendez-vous. Mais malheureusement, j'ai une carte de fermeture ici pour vous, Virginie. Et j'ai la maison avec l'ancre. Là, pour moi, pour l'instant en tout cas, vous allez rester bloqué à la maison, ma belle. Vous allez rester bloqué parce qu'il y aura du retard, parce que cette personne, ce cher Paul, n'est peut-être pas prêt et peut-être bloqué et peut-être en train de retarder encore les choses, de dire oui, j'ai mon agenda qui est plein, je peux pas, j'ai des choses à régler, j'ai... Voilà, donc on va rester enfermé à la maison avec un bon bouquin, Virginie. Sais pas pourquoi, mon intuition me dit que vous adorez lire, Virginie. Est-ce que je me trompe? Je le sens pas, moi, ce rencard. Je le sens pas. Pourtant, on a vraiment envie de le faire, quoi. Mais je le sens pas. Je crois que vous pouvez faire une croix dessus. Et alors, on va chercher Paul. Ah, ah. On a en dos de jeu le bouquet, le jardin et la lettre. Je mets ça de côté, on verra après. Là, je veux Paul. Paul est quelqu'un du passé qui revient. Paul a vraiment envie d'opérer ce nouveau départ, mais il est bloqué. On a l'abondance, on a le cavalier.
Moi, j'ai l'impression que le rendez-vous pourrait être retardé, mais honoré. Si vraiment Virginie, Paul vous a donné une date, hein, pour moi, Paul, il va ouvrir l'agenda, il va se confondre en excuses en vous envoyant un très 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 joli mot, un mot sincère, hein, en vous disant, je suis navrée Virginie, je ne peux pas honorer le rendez-vous, mais très rapidement, je m'engage à ce que ce soit chose faite. Et oui, effectivement. Vous voyez, au niveau du cœur, puisque c'est un rendez-vous love-love, nous avons de l'incertitude, de la confusion émotionnelle, mentale. Et finalement, le fait d'être réunis. Mais pas dans l'immédiat, Virginie, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Alors, parce qu'en même temps, bon, là j'ai Paul. Là j'ai Paul, un homme qui revient du passé. Paul qui a vraiment envie de s'investir avec les poissons. Mais n'oublions pas que nous avons aussi le taré d'ex dans la question et que le cavalier peut symboliser le taré d'ex qui pourrait se retrouver ici face à face ou dans le réel ou tout simplement, donc, choisissez bien l'endroit, moi je vous le dis, hein, ou simplement le taré d'ex qui referait surface pour vous séquestrer, vous enfermer, bon, vous en prenez, vous en laissez. Hein, je ne mesure pas trop mes mots ici. C'est quoi ça? D'accord. Je la mets de côté. Le taré d'ex qui ferait face ou dans la réalité, mais je ne pense pas trop, mais plutôt le taré d'ex avec ce que je vois là, parce que c'est peut-être vous qui allez être bloqué, hein, parce que là on voit que vous ne bougez pas, qui pourrait faire obstruction à ce rendez-vous dans un premier temps, vous voyez? Le fait que. Le fait que Paul. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis un peu comme ça, mais parce que dans ma tête, j'ai des flashs. J'entends la chanson de Lady Gaga, Alejandro. Dites-moi si ça vous parle. Envoyez-moi un SMS, Virginie, dès que vous aurez visionné cette vidéo. Même si je ne vous réponds pas de suite, mais je vous répondrai évidemment. Mais je suis quand même persuadée que pour moi, ça va être partie remise. On se confond en excuses. Il y a un blocage. Que ce soit de la part du taré d'ex ou que ce soit parce que Paul n'est pas tout à fait prêt, Paul se renferme sur lui-même, Paul s'invente des excuses et des blocages. Mais tôt ou tard, ça sera honoré. Mais la synthèse ici, elle ne me dit pas là. À la date que vous avez choisie, Virginie. Alors je bafouille, hein. Je pense que vous comprendrez pourquoi, ma chère Virginie. Est-ce que mon ressenti sur Paul est juste? Quelqu'un qui manque d'assurance, quelqu'un d'un peu. Quelqu'un qui est un peu dans son monde, vous voyez? Mais quelqu'un qui est quand même une belle personne, évidemment. Donc, revenez me voir quand le rendez-vous sera annulé et reporté. Et ce sera avec un plaisir délicieux que je vous répondrai, ma chère Virginie. On adore les suites d'épisodes ici. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Et j'attends avec impatience que vous m'envoyiez un petit SMS à la suite.
du visionnage de ce tirage. Ciao!